Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 10e épisode dans Let's Play sur Breath of Fire. L'épisode précédent, on a récupéré la clé pour débloquer le golem, et là on est juste à l'entrée du golem. Je vais juste vous faire voir. Voilà, on est juste à l'entrée. Hop. Alors on rentre par le pied plutôt qu'entre les jambes, mais on rentre dedans. Et donc voilà, c'est parti, on va découvrir ce qui nous attend là-dedans. Nos personnages ont gagné quelques petits niveaux, enfin Ryu 1, Bo 2 je crois. Je crois que j'en avais déjà un, casque de bronze et de l'herbe, ok. Les petits monstres, ça faisait longtemps. Voilà, dans l'épisode précédent, on a été à Agua et on a récupéré. Ouf, il y a des gardes. Ça, c'est fermé, ok. Ça, c'est fermé aussi. Et on a été à Agua et donc on a récupéré. On a récupéré la clé pour le. Pour le golem. Un petit niveau de plus pour Nina, ce qui est très cool. Ok, donc là je suppose que je peux rien faire. Je pense qu'il faut que je batte les ennemis. Ok. Je contrôle le robot de pierre, donnez-moi cette clé. J'aurais peut-être dû attaquer l'autre avec Bo. J'ai l'impression que le garde il va pas être très fort. On l'a presque déjà tué. Faut mieux assurer nos arrières. La clé fonctionne. Ok, donc là, c'est un peu un labyrinthe. Thank you.
fonctionne, ok. Mais c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Moi. Robot, emmène-nous au lac. Moi, je voulais explorer tout le robot, alors j'espère que ça va être bon. Que je vais quand même pouvoir le faire. Parce que moi, je vais récupérer les coffres. La rivière recommencera à couler quand nous aurons détruit ce rocher. Robot, utilise ta puissance pour détruire le rocher. Sacré robot quand même, hein. Réussi Ryu. Oui, nous pouvons désormais retourner au village. Ok. Moi, je vais récupérer les coffres. Ok, ça c'est bon. Même dans l'eau, on ne peut pas toujours avoir du poisson. Voici Tantar, nous sommes le clan de la forêt. Si vous trouvez un palais, arrêtez-vous pour saluer le maître des lieux. Nos deux villages vont continuer à vivre ensemble. La paix est revenue dans notre village. Notre eau est revenue, merci. Nos deux villages vont continuer à vivre ensemble. On va explorer les maisons, voir s'il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose. Je crois que c'est peut-être dans l'autre village qu'il y a quelque chose à nous dire. Parce que là, c'est le bonhomme qui nous donnait la scie. C'est pas une bonne idée d'abattre trop d'arbres, non, effectivement. Faut penser à la nature un peu. Moi, tu veux pas te pousser devant la porte?
Vous devriez chercher l'anneau Ryu. Il est caché dans une grotte en aval. La clé est en bas. Vous obtenez la clé. Donc du coup j'étais dans le bon village. Mince. Nous avons préparé le mariage en l'absence de Ryu. Mariage de qui? Qui se marie? Un mariage et je suis pas au courant. Votre est revenu, merci. Les dragons noirs ont détruit le pont menant à la ville portuaire du sud. Notre est revenu, merci. Nos deux villages vont continuer à vivre ensemble. Si vous trouvez un palais, arrêtez-vous pour saluer le maître des lieux. Un soldat du chef, ce plan délirant a failli marcher. Nous fêtons notre liberté en célébrant le mariage de Terry et d'Amelia. Ok, félicitations à Terry et Amelia, je ne sais pas qui ils sont, mais félicitations à eux. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Avez-vous vu le robot de Pierre Honor? Oui. Les deux villages vont continuer à vivre ensemble, blablabla. Blablabla, blablabla. Bla bla. Du coup, la grotte, c'est peut-être celle qu'il y avait juste à côté du robot. Je vais juste lui manquer un PV quoi, mais des fois c'est suffisant, un PV manquant pour survivre. Thank you.
C'est cool ce petit décor qui change en passant par la cascade, etc. On a mis un peu de temps à les battre, mais on les a battus. Je sais pas si je suis sur la bonne route. Clairement, j'en ai aucune idée. Je vais peut-être descendre le premier escalier, mais... De toute façon, j'irai l'explorer quand même le premier escalier, donc... Non, Beau, tu devrais attaquer le deuxième, toi, à chaque fois. Enfin, quoique, je sais pas si j'aurais tué. Je pense qu'il en aurait resté un, quand même. Petit niveau de plus pour Beau, qui est plus rapide. Ce serait cool, c'est de trouver une nouvelle arme pour Nina, un truc plus puissant.
Vu que Boo est plus rapide, faut que je fasse attention parce que. Là, je pense que j'aurais pu tuer les deux si j'avais changé les cibles. Je pense que Boo est plus rapide que Ryu maintenant. Quand même me soigner. À un moment donné, ça pourrait être utile d'avoir de la vie. Bouclier ciel. Ah bah vas-y Nina, fais-toi plaisir. Ça améliore toutes ses stats, on lui donne. Hein. On a l'anneau. Allez, au revoir le monstre. Okay, je suis obligé de remonter. Mais il y a toujours une zone qu'on n'a pas explorée, donc on va aller le faire. Au moins, il y avait des choses à explorer dans cette grotte.
Ok, tout ça pour ça. Tu veux aller à gauche ou en haut? Bah, si tu vas en à gauche, de toute façon, tu reviens vers le haut, vers la sortie. Se soigner un petit peu, hein. J'aurais dû attaquer l'autre. Exactement. J'ai comme l'impression de m'être fait avoir, mais je me suis fait avoir. Au final, cette grotte-là, elle servait pas à grand-chose, quoi. Ok. Bah, on va ressortir de la grotte, hein. Je vais vous emmener avec moi. Ça prend un peu de temps, mais... Allez. Thank you.
Retournons en ville. Salut les petits animaux. Nous sommes prêts pour la cérémonie. Et bah les amis, ce qu'on verra, c'est la cérémonie dans le prochain épisode. Là on va se soigner, je vais sauvegarder et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu en tout cas et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Breath of Fire. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao !